pour, eh bien, écoutez... Monsieur Éric Bompard-Cachemire. La solitaire, c'est vraiment la course de l'année où toutes nos courses de pré-saison se sont axées pour la solitaire du Figaro. Le Figaro a cette magie d'attirer ou d'aimanter toujours des top coureurs. Ce qui reste le grand vainqueur, c'est pas celui qui a gagné le championnat de France, c'est pas celui qui a gagné la Transat, c'est celui qui a gagné la solitaire du Figaro. C'est très parfaitement sportif, quoi. Voilà, ça c'est sûr. Ce qui met forcément un petit peu plus de pression et forcément plus d'enjeux sur cette course-là que sur les autres. 'fin, vraiment une victoire recherchée, mais bon, en fait l'histoire c'est que le bateau juste devant moi là, qui est massif, mais en fait il a volé le départ et on était sous règle noire, donc ça veut dire qu'un bateau qui vole le départ à ce moment là est disqualifié de la manche. Ces dernières années je disais que je la voyais bien, et cette année je veux dire que je la vois mal, comme ça peut-être que ça ira mieux.